Il existe une légende ancienne si vieille que certains pensent qu'elle remonte à des milliers d'années. Elle raconte l'histoire d'un orphelin venu d'un pays lointain. Comme il grandissait, l'enfant essayait tant bien que mal de se faire une place dans ce monde, mais il se sentait perdu et mis de côté. Le jour vint où il décida de partir à la recherche de son moi profond. La légende dit que grâce à son art unique, il vint à bout de quiconque s'opposa à lui dans sa quête. Le chemin vers l'illumination le ramena parmi les siens dans son pays d'origine et lui ouvrit les portes de l'amour vrai. Telle est la légende du danseur ninja. Piston, t'es là? Papa-san? Hein? Pourquoi le business se porte mieux partout ailleurs? Personne ne nous voit ici. Trop mal placé. Apporte ceci à Monsieur Shi. Oui, Papa-san. La légende veut que cet enfant fût différent des autres. Rejeté par ses pères. Mais au plus profond de lui, aux confins de son âme. Et voilà, Monsieur Shi, vos beignets de poisson. Un destin extraordinaire l'attendait. Regardez-moi ça, queue de tocard! Allez, plus vite! Gros potentiel! Kimi, beau travail!
Impossible. C'est gentil, Ikki. Bonne journée. Tu es prêt? Pourquoi tu insistes autant? Explique-moi ça. Sabu, je veux devenir un vrai ninja. Ikki, on ne devient pas ninja, mais qu'est-ce que tu crois? On est ninja ou on ne l'est pas, ça marche comme ça. Rentre-toi, ça vient dans le crâne, petit. Ouh, tu as tout loupé, mon pauvre. Mais rattrape-toi. Une belle pause pour Papa-san. Oui. Le monde va s'arracher ce chef-d'œuvre. Ikki, hé, tu vas où comme ça? Je vais voir Sabu. Je maîtrise la danse maintenant. Il faut que je le lui dise. Ok, ok.
bon, allez, on reprend ma belle. C'est ça, bébé. Tendre les reins, lèche-toi les lèvres. J'ai entendu parler d'une légende. Soit une légende, et alors? La légende du danseur ninja. Il étudie comme un fou et devient tellement fort qu'il sauve le monde. Tu es naïf, mon grand. Tu entends ce que tu dis? Tu fabules! C'est pas ce que disent les autres ninjas. Et si c'était vrai, alors c'est peut-être moi? Les ninjas des légendes sont durs et froids. Mais à l'intérieur, ils brûlent d'un feu ardent. L'essence même de leur force, le chi, est là au cœur de leur être. Tu ne démontres aucun des attributs d'un vrai danseur ninja. Écoute, regarde et retiens. Waouh! Super votre coup de popotin, Sabu. Vous savez, le popotin, c'est... Quand tu sauras faire ça, passe-moi un coup de fil. Enfin, Sabu, il me semble bien que vous venez d'admettre qu'il existe un danseur ninja. Et il me semble à moi, Ikki, que tu es en train de me porter sur les nerfs! Vous verrez, Sabu, je peux y arriver. Je m'entraînerai dur. Je ne devrais pas vraiment intervenir, Sabu, mais je crois que vous les traitez un peu sévèrement. Ah oui. Ne remets pas en question mes méthodes éducatives. Vous avez bien dit méthodes éducatives. Stop! Tout le monde debout! 2 heures, personne ne bouge! Et y en a un qui me ramasserait! Mais personne ne bouge! Mon Sabu, vous m'avez fait demander? Je ne suis pas ton Sabu. Oh, désolé. Viens ici. Je t'ai fait venir pour que tu rapportes ces vidéos à ta mère. Je suis déjà en retard. Ah. Et aussi, je sens une confusion qui émane de toi. Alors pour t'aider cette fois, et seulement cette fois-ci, je suis disposé à prendre 2 minutes pour éclairer ton lampion. Oh, merci, Sabu. C'est gentil à vous. Pardon, je voulais dire, pas mon Sabu. Sans problème, pas mon élève. Alors, parle-moi, je t'écoute. En fait, je ne sais pas trop qui je suis. C'est pourtant simple. Tu es un orphelin blond. Tu as survécu à un terrible naufrage et tu as échoué sur le port. Ton papa San passait par là et t'a entendu pleurer. Il t'a trouvé, t'a pris avec lui et voilà. Tragique épisode, mais tu es en vie, rapporte les vidéos. Mais c'est pour ça que je fais des cauchemars. Tu vas vraiment être en retard, ta mère va me faire payer le prix fort. Ah, chère demoiselle, entrez, bienvenue. Quelle vision délicieuse. Très bonne idée. J'ai compris. Je sais ce qui ne va pas. Le problème, c'est que je ne me connais pas moi-même, finalement. Ikki. Viens par ici. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas espérer trouver ton moi profond sans prendre conscience qu'il viendra grâce aux faveurs d'une femme. Tu dois libérer le chi qui brûle en toi. Chaque jour, il grandit un peu plus. Fais-lui confiance. J'ai du mal à comprendre. Dans ce cas, va voir tes parents. Je n'ai pas de réponse à tout. Mais mes parents ne sont que des commerçants, Sabu. Enfin, à côté de leur affaire de vidéos pédagogiques. Oui, qui sont plutôt réussis. Merci. Mais ils n'y connaissent rien en ninja. Ikki, va trouver une femme. Puis aime-la. Tu découvriras alors qui tu es vraiment. Hé, Ikki! Je paierai le retard sur celui-ci. Vas-y.
J'espère que ça t'inspire. 7 secrets de geisha célèbres. Bon. Je t'en apprendrai 9. Tu dois libérer le chi qui brûle en toi. Tu découvriras alors qui tu es vraiment. Le business de mes parents, j'ai tout cassé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ce que t'as fait, mec. Je veux pas causer d'embrouille. Je te jure, je cherche pas les problèmes. Ah ouais? Eh ben moi, j'aime pas les mecs qui tâchent mes fringues. Arrêtez! Je ne veux pas me battre! T'es une espèce de maître ninja, ou bien? Ça me surprendrait pas. Vous connaissez la légende du danseur ninja? Non. Ben, c'est une légende intéressante. Elle parle d'un garçon, tu vois, et il sait danser et il découvre qu'il est aussi un ninja. Eh, oh, une minute, papillon. Ton histoire a l'air chouette, mais on s'en fout un peu. Tu nous montres 2-3 trucs, s'il te plaît. On t'en supplie. Oh,
Allez, on continue. Pousse. Puis en toi. La force d'aller encore plus loin. 3, 2, encore un. Ça va pour l'instant. Pas mal du tout. Ta force croît à mesure que tu répètes les mouvements. Tu seras bientôt prête pour la pleine puissance. Retourne avec les autres élèves. Adoré de ses fans et connu pour sa carrière internationale de star de cinéma dans les années 90, il y a bien longtemps que l'icône de toute une génération, le fameux Hansel Ladouche, n'a été vu dans un film. Et certains s'amusent à dire que sa carrière est finie. Mais ce maître en arts martiaux est devenu entrepreneur. La rumeur dit qu'il serait le nouveau visage de la future chaîne des combats 24 heures sur 24. Celle-ci prévoirait même toute une série de films avec Hansel. De quoi redorer l'image abîmée du vieil homme? Rien n'est moins sûr. C'était Heidi Holdem pour les chroniques d'Hollywood. Wow. Vieil homme? Elle a dit l'image abîmée du vieil homme. C'est une dingue. Je déteste cet endroit. Si ce n'était pour mes plans, jamais je ne remettrais les pieds dans ce trou. C'est de la merdasse. On fait sauter tout ce qu'on peut et on trace la route. Et étape 3, levier droit, c'est parti. Poussez. Levier gauche, étirez. Maître, vous avez fait cela si souvent pour moi. Il est grand temps que je vous rende l'appareil. Je me passerai de ton aide. Ne soyez pas comme ça, enfin. Toutes ces heures d'entraînement ont vraiment fini par payer, maître. Les enseignements que tu as reçus étaient sacrés. Tu les as utilisés à ton profit, tu t'es couvert de ridicule. Tu es un charlatan. J'ai des adorateurs par milliers. Peut-être dans ton pauvre esprit, Ladouche, mais dans le monde réel, tu es dépassé. Je ne suis pas dépassé. Ils me vénèrent. Vous avez besoin de moi. Je n'ai absolument rien à faire avec toi. Vous voulez vivre? Hors de ma vue maintenant, Ladouche, où je ne donne pas cher de ton catogan. Trêve de baliverne. Vous, moi, cette machine, nous pouvons mettre le monde à nos pieds. Non! Ce n'est pas un jouet ou une babiole que tu pourras vendre sur Hollywood Boulevard. Ceci est une machine dangereuse. Elle ne doit pas tomber entre des mains corrompues. Je préfère perdre l'usage de mon œil que faire équipe avec toi. Cette farce a assez duré. Tu parais tout rouillé. Comme dans le bon vieux temps, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas, au moins, que j'emporte ce parchemin. À vrai dire, ça me dérange énormément. Excusez-moi, je suis désolée. On va faire la fête ou pas? Oh, bonne idée, patron. Sushi? Saké? Oh,
père, j'aime pas ça du tout. Sabu, c'est moi, votre dévoué Ikki. Je dois absolument m'entretenir avec vous. Oh, Ikki, on est fermé. J'ai bien entendu entrer. Non. Sabu. 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 Sortez de votre cachette, enfin. Si je vous trouve, vous avez un gage. Sabu. Vous êtes blessé? Non, tout va bien. Tu peux partir maintenant, merci d'être passé. Nom d'un Shinto, Sabu. On va faire venir un médecin. Oh, mon Sabu. Je suis pas ton Sabu. Alors, demi-tour. Qui vous a fait ça? Dites-le-moi, je le trouverai, je lui ferai très mal. Non, je t'interdis de vouloir me venger, parce que tu ne fais pas le poids face à la douche. La douche? Votre élève diabolique qui a déshonoré notre image aux États-Unis? Non. Ce n'est pas lui. J'ai dit la douche. Non. Je délire complètement. Oh, je vois des gens qui sont morts. C'est un signe. Tout est très clair. Vous deviez mourir pour que s'accomplisse mon destin. Ikki, ça ne te traverse jamais l'esprit que tout ne tourne pas toujours autour de toi? Non, Sabu. Vous avez tout faux. J'irai en Amérique rendre à cette charogne une petite visite. Et je lui ferai payer sa dette. Je ne suis pas encore mort. Après votre mort, bien sûr. On ne va pas y passer la nuit. Tue-moi. Oh non, Sabu, je ne peux pas faire ça. Oh, c'est pas vrai, je suis... Je vous vengerai, mon Sabu. Je vous vengerai. 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 Je ne suis pas ton Sabu et arrête de me frapper. Ikki, je t'ai préparé un bon petit repas, mon chéri. Et... Tiens, on ne sait jamais, la chance peut tourner. Et Masan, enfin, on pourrait nous voir. J'ai quelque chose, moi aussi. Une belle carte, elle est à toi. Tu peux contacter ce monsieur, c'est un ami. Il te logera avec grand plaisir. Et s'il ne se souvient pas de moi, donne-lui ça de ma part. Merci, Papa San. Prends bien soin de toi, mon fils. Oh, mon bébé. Fais attention à toi. Bon voyage, mon petit. Au revoir, ma famille. Bye bye. Ça va. Tu peux me croire, ma belle, 15 hommes, ça ne me fait pas peur. Ça, non. Je les prends un par un sans problème. Sabu. Kimi. Bienvenue. Mon âme est emplie de tristesse à l'idée de vous avoir à présent dans l'autre monde. Ça me touche. Moi aussi. Être mort n'a pas que des mauvais côtés. Salut les filles. Ah, Kimi, je me fais du souci pour Ikki et pour toi aussi. Tu n'es pas sans savoir que j'ai une confiance absolue en toi. J'ai une mission à te confier. Envole-toi pour l'Amérique et veille sur Ikki comme s'il était ton propre frère. D'accord. Ouais. Ça suffit, Oust.
Ça y est, les filles, je suis là. Attendez, je m'échauffe un bras. Je me demandais si je vous avais déjà dit que j'étais un maître ninja. Tiens, loser. Toi aussi. Tiens. Baisse les yeux. Cristal, il me faudrait un stimulant pour mes biceps. Oh, ça alors, c'est du beau muscle. On fait quoi? Honoré de vous rencontrer. J'ai ici une carte pour Monsieur Pal. C'est un ami de mon papa San et j'espère qu'il pourra m'accommoder d'une couche. Désolée, mais les seules cartes que nous acceptons sont en plastique. Monsieur Pal serait-il votre père? Oui, en effet, c'est lui. Pour de vrai? Papa San a dit qu'en cas de problème, je devrais remettre ce présent à Monsieur Pal. Problème? Non, aucun. Je me charge de lui donner. Quelque chose d'autre? Salut. Salut. Vous êtes vraiment génial. Vous m'avez appris à être un ninja. Quoi? Dans le jeu vidéo. Vous m'avez appris à être un ninja. Waouh. Regardez. La classe. À votre tour. Et je vous suis. Aucune embrouille. Ah, ta maman!
Je vais te dire ce que j'en pense avec plaisir. Tu ne seras jamais le visage qui représente ma chaîne. C'est terminé pour toi. En fait... je pense à quelqu'un d'autre pour ce rôle. Garland, tu te moques de moi. Les gens en ont marre de ce vieux machin. Tu as besoin de moi, Garland. Je ne veux pas me répéter. Donne-moi cette chaîne. Tu sais qu'il y a des rumeurs à ton sujet. On dit que tu pètes les plombs graves. Bien, notre petite réunion touche à sa fin. Il est temps de se dire au revoir. Non, il est temps que toi, tu te dises au revoir. Je suis dans mon bureau. Ceci est ma chaîne. Et tout ce qui est ici, c'est mon univers. Tu vois bien, ils ont raison, t'as des cases en moins. Alors, si tu le veux bien, enfonce-toi bien ça dans le crâne, j'engagerai un sac de rats. Bien avant de t'engager toi, sans l'ombre d'un doute, je le ferai les yeux fermés. Une grande nouvelle aujourd'hui pour les fans d'Ansel Ladouche, s'il en existe. Il vient d'être nommé porte-parole de la chaîne des combats 24 heures sur 24. Nous avons recueilli les propos de Garland Jones, le directeur. Allez, va. Merci à toi, Garland. Tes mots me touchent. Restez avec nous pour une interview exclusive de Monsieur Ladouche à son quartier général des entreprises Ladouche. Nous en découvrirons, je l'espère, un peu plus sur ce qu'on peut appeler un surprenant comeback. C'était Heidi Oldham pour les Chroniques d'Hollywood. Surtout, je peux me battre comme dans Tigre et Dragon. C'est un jeu d'enfant. Oh, et Matrix était un film inspiré de ma vie. Mais le rendu était assez simpliste. Vous savez, j'étais l'un des seuls êtres humains à pouvoir faire ce genre de choses. Sabu ? Au fait, je suis un maître ninja. Je te l'avais déjà dit. Oui, oui. Un jour, j'ai tué 20 soldats de mes propres mains pour récupérer mon or dans les montagnes suisses. Non, vraiment, c'est pas facile d'être moi. Le niveau d'excellence est parfois difficile à maintenir, mais que voulez-vous ? Vous saviez que j'étais pilote. Sabu, c'est pas croyable ! Je suis arrivé grâce à la passerelle de l'illumination. Non, c'est impossible parce que tu n'en es pas capable. Tout cela est un rêve, Kiki. Tu n'es pas ici, et moi non plus, ok? Désolé, bébé. J'en sais trop rien. Ça me paraît vraiment rien. Écoute, la passerelle de l'illumination est au-dessus de ton niveau. Ton niveau, c'est moi qui décide ce qu'il est. Et pour l'instant, je décide que tout se passe dans ton esprit. Et je te demande de ne jamais revenir par où. Sabu, pourquoi vous me dites toutes ces choses? Il n'y a pas de logique à tout ça, et j'y comprends rien du tout. Tu n'y comprends rien. Parce que tu n'es pas un ninja, voilà tout. Mais une dernière chose. Ça veut dire que si je ne suis pas ici, alors pourquoi vous me demandez de partir? Ça n'a aucun sens. Tu sais quoi? Je vais te le répéter une dernière fois. Tu n'es pas le danseur ninja. Et qu'est-ce qu'on fait de la douche? Tu n'es pas de taille contre la douche. Aucune idée de qui est ce gamin. Sabu, il était arrivé jusqu'à la passerelle de l'illumination. C'est possible que vous ayez tort? Non. Kimi, je n'ai pas tort, je n'ai jamais tort. Ne doute jamais de moi. Le plan se déroule exactement comme je l'ai prévu. Sabu, alors dites-le moi. Ne me demande rien, reste immobile pendant 4 heures, compris? Je viens à peine de mourir et plus personne m'écoute. Pare et Iki, ton rôle deviendra de plus en plus clair. Les gamins. L'important, c'est la mission. Le reste se fera tout seul. Option B, ouais, ça m'a l'air bien. D'abord, il faut que je le trouve. Montre-toi. Jamais personne dans l'histoire de la télévision n'a osé donner aux téléspectateurs ce qu'ils désiraient vraiment. La douche et les entreprises Jones vous présentent la chaîne des combats 24 heures sur 24. Avec des combats non-stop, avec l'opportunité de parier sur vos combattants préférés et surtout vous assisterez à des rencontres de très haut niveau. Des combats dans le désert, des échauffourées matrimoniales et une heure entière réservée aux pugilats animaliers en tout genre. Ah, 24 heures de trip, de sang, de douloureuses sensualités pour votre plaisir visuel et votre amour du pari.
proposé par Hansel la douche. Le kung-fu, c'est chichi, c'est génial. Ces élus ont entrepris de réorienter en douceur. Je m'améliore de jour en jour. Avec un atout maître. Grâce à une politique de frontières de longue haleine, la majorité des agriculteurs sont des propriétaires publics loués aux exploitants. Touche au pays de l'oncle Sam. Alors je lui ai dit, ne bouge pas mon pote, je te mets hors service. Sérieux, wow, trop fort. Ouais, enfin tu sais les mecs comme moi, faut pas trop les emmerder. Ouais, t'inquiète mec, moi c'est pareil. Je me rappelle pas la dernière fois où un mec est pas parti à l'hôpital. Tu m'es pas, mec, je te jure. C'est comme ça, faut pas me chercher. Eh bien, quelle machine et que de luxe! Merci, c'est moi qui m'occupe de la déco. Ah, c'est vrai? Ah! Alors, vous êtes prêts? Ça roule! Impeccable. Shane? Ok. Alors, Hansel, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Mon réveil matin. Ah. Le farceur! Plus sérieusement. Plus sérieusement, ce que je veux, c'est aider les peuples. Vous savez, ces 25 dernières années, j'ai étudié les enseignements mystiques d'un grand maître. Un homme que j'affectionnais. Qui m'a appris des choses puissantes, comme le pouvoir d'aimer. Je me doutais pas que vous étiez aussi sensible. C'est bien. J'ai une petite larme. Oui, moi aussi, c'est drôle, ça. Et recentré. Donc, je disais... Laissez-moi vous poser une question plutôt difficile. Il y a 5 ans, votre dernier film a plutôt fait un bide. Le monde du cinéma vous a rejeté. Vous étiez banni par tous, le box-office vous maudissait. Dès lors, on ne vous a plus revu sur le devant de la scène, plus une seule avant-première, plus de galas de bienfaisance, plus de place VIP pour les matchs avec les gens célèbres et les moins célèbres d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes psychologiques, peut-être? Des insécurités? Enfin, Heidi, j'avais tellement donné de ma personne. J'avais vraiment besoin de recharger mes batteries. Je devais me retrouver moi-même. Oh, on dirait que vous avez retrouvé beaucoup de choses, oui, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux. C'est vrai. Vous n'avez pas envie de... je ne sais pas. Vous la jouez un petit peu, vous pavanez dans les rues de Los Angeles et dire au monde, c'est moi, Hansel Lelouch. Hein? Excusez-moi, je suis la douche et je ne m'en irai pas. Je veux simplement me réveiller tous les matins et être le meilleur Hansel la douche possible. Candy, your taste is on my mind.
Patron, les affaires d'abord. Eh, tu crois que tu fais quoi, là? Je dois venger la mort de mon sabot, monsieur. On n'a pas que ça à faire ce soir, d'accord? Alors casse-toi. Non, je suis en mission. J'ai dit casse-toi. Non, je suis en mission. Dégage! J'étais le danseur ninja. Non, pas du tout. Peut-être que c'est toi, peut-être pas, tu sais. On reparlera de ça plus tard. Pour l'instant, il faut que tu te battes comme si tu étais ce ninja. Ah, ça oui. Joli foulard. Je te le rends. On doit partir d'ici, vite, dans la seconde. C'est qui ce type? Je t'expliquerai. On s'en va. Allez, dégagez, poussez-vous. C'est évident, ce gamin est envoyé par ces abrutis du dojo. Monsieur. Je l'ai reconnu. C'est un bon, il se battait comme... comme s'il dansait pendant qu'il balançait des coups. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'il dansait pendant qu'il balançait les coups. Oh, c'est lui. Ce gnome. Le danseur ninja. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à lui. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne. Ça m'est arrivé alors que je n'étais qu'un enfant. Tu es prêt à lire dans ton avenir, petit? Maman. J'ai pas envie de... Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis sûr que ton avenir est fabuleux. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu vas avoir une longue et fructueuse vie, avec beaucoup de bonheur et de rire. Et celle-là? La mort, Hansel. Bien, il se fait tard, nous y allons. Attendez. Une de plus. Le plus horrible dans tout ça, c'est qu'elle lui a laissé un pourboire. Tu le trouves, tu l'attrapes et tu le dégommes. Tu procèdes à ta façon, je m'en fiche. Tu l'anéantis. On est arrivé à mon hôtel. Oui, je vois. Attends, Sabu t'envoie pour me protéger? Ouais, c'est ça. Il ne croit pas en moi. Il ne t'a jamais vu te battre comme moi je t'ai vu ce soir. Ça t'a plu alors? Tu étais formidable. Bon, tu veux monter? Oui, j'en ai vraiment très envie. Je vais descendre réserver ta propre chambre. Oh, ça ira, une seule suffit. Tu es sûre? Ouais, si ça ne te dérange pas. Je m'entraînais. Dans le couloir? Bonjour à tous. Veuillez suivre les instructions à la lettre. Tout d'abord, tamisez votre espace. Il est très important de créer une ambiance propice au plaisir et à la romance. Ensuite, choisissez un morceau calme et romantique pour le bonheur auditif de votre compagne. La flamme d'une bougie lui fera ressentir le feu qui brûle en vous pour elle. Regardez autour de vous, repérez-vous quelque chose qui sente bon. Le parfum est un élément essentiel de toute session amoureuse réussie. Appuyez sur le bouton menu pour la leçon suivante. Tu vas bientôt sortir? Je vais plutôt méditer. Chouette idée. Peut-être qu'elle est gênée. Peut-être qu'elle m'attend sur la passerelle de l'illumination. Naboo, je sais que tu es là. Je peux. Masse le cou.
Attends, Kimi, qu'est-ce qui se passe ici? Ikki, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici n'a aucune importance. Pourquoi lui, il est là? Je pensais que... toi et moi... Attends, c'est une blague. Tu sors avec lui? Oui. Non. Pardonne-moi, Ikki. Je ne voulais pas que tu te fasses des idées. Non, c'est moi. Excuse-moi. J'ai du mal à comprendre. Ce n'est qu'un malentendu. Bon, je dois y aller. D'accord. Ikki, tu vas où? Tu sais, j'ai pour mission de venger Sabu, Kimi-san. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Écoute, j'ai un plan. La douche a un ennemi sur sa chaîne des combats. Il peut convaincre la police. Non, Kimi-san. Sabu a eu tort de t'envoyer ici. C'est ma légende. Je me débrouillerai tout seul. Oh. Le danseur ninja devient plus fort. Ok, j'ai compris. Tu es en mission. Et tu es super furtive comme ninja. Comme tu veux. À qui tu parles? Une ninja fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sachez que votre ennemi est le mien. La douche? La douche. Il a assassiné mon sabot. Qu'est-ce que je peux y faire? Je viens de quelque part en Asie. Personne ne voudra me croire. C'est pas faux. Waouh! Vous étiez boxeur? Ouais, je me défendais pas mal à l'époque. Pourquoi, petit? Tu t'intéresses à la boxe? Une minute. Montre-moi ta jambe. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Si. Mon enfant. Mon papa. Mon papa à moi. C'est ma faute si nous t'avons perdu dans l'océan. J'étais en pleine tournée mondiale et je m'étais dit qu'un petit tour en bateau accompagné d'un bon massage. On aurait dû être parti pendant seulement 3 heures. Puis le typhon est arrivé. Nous t'avons cherché, mais...
Pardonne-moi, Ikki, de t'avoir perdu. Ne t'en veux pas. Pour un ninja, le passé n'est qu'une ondulation dans la mare. Tu dois essayer de te pardonner à toi-même. Mais ce détraqué de Hansel Ladouche, je ne veux pas que tu te mesures à lui. Il est dangereux et peut vraiment te faire du mal. Oui, je le sais. Mais on est ensemble maintenant. Et on peut l'affronter tous les deux. Ah, fils. Maintenant, j'ai un papa san et un papa tout court. C'est vraiment une bonne nouvelle, Ikki. Ça fait du bien de le dire. C'est super cool, ça, fiston. Ouais, super cool. Tu n'as rien. Le danseur ninja. T'es plutôt le danseur nul. Embarquez Jones, maintenant. On se lève. Plus vite que ça. Toi et la touche, vous allez me le payer. Hey. Oh, oh, mais qui va là? Dégénéré, lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vais te dire un truc. Et tu vas m'écouter attentivement, la ninja cruche. Quand ton danseur à deux balles refait surface, tu lui diras que si, et seulement si, il reste sage et bien tranquille et qu'il se casse pour de bon dans son pays de naze. Alors, après la soirée de l'avant-première, je laisserai partir son papa d'amour. On a bien fait de mettre son bureau sur écoute, hein, patron? Ah, la tienne, mon pote. Où est-ce qu'il est parti? Je l'ai cherché partout. Je te demande où est-ce que j'ai pas cherché. En fin de compte, est-ce que je peux y arriver? C'est vrai ou pas? J'ai été battu par une fille. Ça, c'est... naze. Je crois bien que Sabu avait raison. Peut-être que cette légende n'est rien qu'une fable. Enfin, regarde-moi, je peux pas être le danseur ninja. Oh, salut. Tiens, tu peux finir ça. Moi, j'ai quelque chose à faire. Parle-moi un peu de ton rejeton. Je n'ai rien à dire sur lui. Tu n'as rien à dire sur lui. À part que tu l'as perdu dans l'océan, qu'il a grandi quelque part en Asie, qu'il a le même sabot que moi, et qu'il est venu en Amérique pour venger sa mort, hein? Ouais. À part ça... Réponds à cette question.
est-il le danseur ninja? Il avait l'air d'être le danseur ninja là-bas pour toi. J'en sais rien. Un jour, il est habité et excelle dans son art, et le lendemain, il craint. Je ne sais pas quoi te dire, la touche! Explique-moi! Comment je suis censé te faire confiance à la fin? On avait fait un deal, je te signale. Et là, tu me caches des choses, vois-tu, et ça m'ennuie. Tu sais que c'est à cause de toi si je fais tout ça? Tout quoi? Shoxi, je détruis! Je pourfends! Quand la soirée d'avant-première touchera sa fin, tu n'auras plus d'autre choix que faire un pacte avec moi. Parce que tous les super-héros de ce monde seront morts. À part Mea. Mea? Tu ne comprends donc rien. Ça veut dire moi! Excuse-moi, je parle pas le taré. C'est la vie! Eh bien, Los Angeles est immense. Je ne le trouve nulle part. Oh, laisse. Je crois que je vais aller me changer. Bon, alors, je vais méditer. Peut-être que je le trouverai comme ça. C'est pas vrai, Ikki, concentre-toi. En vieux pervers insatiable, tu ne retrouveras jamais ton père. Houblou. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Kimi-san. Tu veux que je te fasse confiance, alors je te demande en retour de faire pareil. Bien sûr. Dis-moi ce qu'il y a. La vérité, c'est que si je veux trouver mon père, il faut que je devienne le danseur ninja. Sabu m'a dit que la vérité n'arrive que quand on goûte à une femme. Voilà. Donc, je sais pas, je me disais que peut-être... Puis-je? Kimi-san, il est vivant, je l'ai vu. Il a besoin de toi. J'ai vu où il était. En route. Ça y est, tout est prêt, patron. Il est en chemin. Le danseur ninja devient plus fort. Tu es sûr que tu n'es pas paranoïaque? Pourquoi il faut que tu me traites de parano, toi? Tu ne fais que répéter, le danseur ninja devient plus fort, genre tout le temps! Le danseur ninja devient plus fort. Le danseur ninja devient plus fort. Le danseur ninja devient plus fort. Hein? Je n'avais pas remarqué. En route. Il est trop gai, c'est pas vrai. En fait, dernière petite mise au point, mon cher. Ça, c'est le jeu tabou revisité. Tu prononces une fois le mot magique et... BOUM! Donc, je me ferai aussi muet qu'une carpe séchée des étoiles. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte... Balifade, sale maniaque. Bande de bouffons arriérés. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette soirée tant attendue spéciale lancement de la chaîne des combats 24h sur 24.
Ils sont venus rien que pour vous. Laissez-moi vous présenter Jet Li, Jean-Claude Van Damme et Monsieur Steven Seagal pour vous ce soir. Ne dis rien, Ellie. Ils m'ont piégé à la bombe. Tu dis le mauvais mot et... boum. Mais... non. Bon, laisse-moi... Non, non, ne touche à rien et ne dis rien. Je veux que tu m'écoutes. Tu dois arrêter... La... La... Oh, oh. Oui, voilà. Très bien, les enfants. Ici. Vas-y. C'est ça. Ouais. Ce soir, à la Blanc. La Blanc. Ça oui. Y est. Ok. C'est bien. Ouais, c'est ça. Bravo. Waouh. T'as fait ça toute ta vie. Maintenant, écoutez-moi. À la Blanc, ce soir, à la chaîne des combats, il y a des bombes. Mais pas à la Blanc. Au coin des réjouissances. Après, la Blanc. Le coin des réjouissances. Ouais. Après la Blanc. Ouais, ce sera à la... là où les célébrités iront. Ah, ah oui, 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 oui. Donc... Mm-hmm. Ouais. A prévu de tuer les célébrités au coin des réjouissances, après la... ouais. Ouais. C'était marrant, mais on devrait peut-être y aller. Fils, bonne chance. J'aimerais leur botter les fesses avec toi. Oh, papounet d'amour. Ok, ok, je t'adore, on y va. J'ai envie de pisser, moi. Tu aurais dû nous écouter, danseur ninja. Hé, hey, sortez-nous de là. Non. Non, mais... ramenez ici. Vous allez voir. Ils l'ont attrapé. Fantastique. Et à la fête de ce soir? Les minuteries sont en place. Parfait. Et maintenant, celui que vous attendez tous. Le nouveau visage de la chaîne des combats 24 heures sur 24. Celui sans qui le spectacle ne peut continuer. Avant, la le douche. Seul unique, le phénoménal Hansel... la douche. Que la fête commence, mesdames et messieurs. Je voudrais aussi accueillir tous ceux qui nous regardent depuis chez eux. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre site www.parimandal.com. Et rappelez-vous, pariez, mais avec modération. Ce soir est un événement historique avant tout. Et je pourrais vous faire un discours inoubliable. Mais il ne s'agit pas de moi ce soir, malheureusement. Nous sommes réunis pour une chose. Une chose seulement. Et quelle est-elle? Quelle est-elle? Alors on envoie la bagarre! Et veuillez accueillir ces demoiselles! Je peux pas bouger. Il faut qu'on s'échappe d'ici. Mais comment? Tu es prêt, Iggy? Rappelle-toi ce que Sabu t'a enseigné. L'important, c'est ton pouvoir. Et aussi ton popotin. Dans cet ordre-là, où je peux inverser? Laisse-moi essayer. Tiens.
marche pas. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, je ne me frotterai pas cette tigresse. À la sortie, les crocs, elle a l'air affamée. Babette Bombeck. Et maintenant, sa rivale, tout droit sortie de sa caravane dans le Kentucky, Denise Marie. Chigala. La ferme, là. Vous me cherchez ou quoi? Ça sert à rien. T'as pas une idée, toi? Accomplis ton destin. Je suis prête, Iggy. Oh, oh, non, non, non. Kimi-san, je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le feu à l'intérieur. Comme moi, je l'ai pour toi. Je trouverai un autre moyen. Attends, Iggy. Je brûle pour toi de l'intérieur. Iggy, c'est toi que je veux. Nom d'un Shinto. Attends. Oh. Aïe. Mes cheveux. Aïe. Mes cheveux! Ah 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 Je me sens fort. Hyper fort. Ouais. Merci. Allez. Attendez votre tour. Voilà. Merci. Attendez votre tour. Voilà. Suivant. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Tu as dit que tu l'avais attrapé. On l'avait. Ça m'étonnerait. Je te dis qu'on l'avait. C'est faux. Je te dis que si. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, vous n'êtes que des incapables, occultants. Oh, mais je vois Steven Seagal. Steven, c'était le meilleur. Droit, les gens, allez. Regardez, c'est vous. Dégagez de passage. Seagal. Il doit y avoir un accès plus rapide à la porte. Dégagez. Laissez-moi passer. Viens avec moi. Votre dernier film, Le Cigale et la Fourmi Géante. Je peux avoir votre autographe? Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Ravi de vous voir ici, super combat. Ouais, génial. Okay. Les bombes sont prêtes. Sauf une, elle est dans la limo. D'accord, c'est super ça, parce que notre but, c'est de faire exploser la limo. Aussi? Non, crétin, je faisais du sarcasme. Ok, va chercher la bombe qui est dans la limo, puis tu me la portes, va trouver Cristal, puis tu me l'amènes. Tu crois que tu peux faire ça? Non, pas trop. Quoi? Je faisais aussi du sarcasme. Dégage de là, idiot. Je faisais aussi du sarcasme. Une petite danse, la douche? Tu ne pourras pas m'arrêter et sauver les stars du film d'action.
Les bombes sont dans les pochettes cadeaux. Vous arriverez trop tard. Elles vont exploser dans moins d'une minute. Et même le danseur ninja ne pourra pas être à deux endroits en même temps. Prends ta décision. Des bombes. Vous patientez une seconde. Vous parlez de ces bombes-là? J'ai fouillé tout l'immeuble et c'est tout ce que j'ai trouvé. Elles sont à vous, je crois. Non, mais tu vas nous tuer tous les deux, espèce d'idiot! Sale gamin! Je ne sais pas qui je suis. Tu ne peux espérer trouver ton moi profond sans prendre conscience qu'il viendra grâce aux faveurs d'une femme. J'ai entendu parler d'une légende. La légende du danseur ninja. Les gens sont durs et froids, mais à l'intérieur, ils brûlent d'un feu ardent. C'est toi. Est-il le danseur ninja? C'est peut-être moi. C'est toi. C'est peut-être moi. C'est toi. La légende du danseur ninja. Petite ninja, m'accorderez-vous cette danse? Shoxil! Iggy, aide-moi! Viens là! Lâche ma petite âme! T'es où, nous deux? Thank you.
Time, but I'm a scum to let you go.